Salut tout le monde, c'est Paul et bienvenue sur Final Fantasy VII Remake, et c'est le moment de continuer notre aventure dans ce jeu magnifique. La dernière fois, c'est laissé ici et nous avons beaucoup de choses à faire, telles que compléter des quêtes secondaires. Pourquoi? Parce que c'est important et ça nous donne des trucs super intéressants. La dernière fois, on a obtenu tellement de trucs, c'était fou, oui. Mais bon, tout d'abord, il faut améliorer les capacités de nos personnages, alors let's go, let's do this, brothers and sisters. Oh! Oh, un autre noyau, really? Il faut 14 PA en plus. Alright! Donc, tu peux avoir attaque physique plus 10, 10. Attaque magique 14, rapidité, emplacement de matériel. Oh, yo, moi, je prends les emplacements de matériel parce que ça, là, c'est... Attends, connexion? 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 Oh. Ah, attendez une seconde. C'est peut-être bon. Pourquoi? Parce que si je me rappelle bien, la dernière fois, j'avais... Attendez. Ben, comment est le matériel? Vous voyez, résistance aux altérations, je ne l'ai pas associé à quoi que ce soit parce que il n'y avait rien à associer. Et le truc, c'est que je vais garder ceci pour l'améliorer. Comme ça, je peux avoir au niveau 3, réduction de la durée d'effet des altérations d'état de 100%. Ça pourrait m'aider. Alors, le truc, c'est que maintenant, je peux faire quelque chose. Alors, je pourrais associer ça à feu. Oh, comme... Oui, 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 regardez. Je prends ceci. Je le mets là. Mais là, je vais pas donner remède à Cloud. Est-ce que... Peut-être tu pourrais donner... Hâte! Ouais, je vais donner hâte à Cloud. Ouais! Quelque chose comme ça, c'est magnifique. Ok, c'est bon. Donc, je n'ai rien d'autre à faire, malheureusement, à part compléter toutes les quêtes qui sont ici tôt. Donc, on a le pouvoir de la musique qu'on n'a pas fait la dernière fois. Ceci, le médicament secret, je peux le redonner. Je vais le faire après, ne vous en faites pas. Trésor de cornio, il faut que j'aille au... dans les égouts pour compléter ça. Et là, il y a une quête à aller chercher ici. Et plusieurs d'entre vous m'ont dit d'aller voir Madame M pour aller chercher cette quête. Et plusieurs d'entre vous m'ont dit aussi où aller chercher le dernier disque de musique parce qu'il ne me reste qu'un à aller chercher. Donc, let's go. Il faut aller... c'était où encore? Il me semble que... C'est autour de là, si je me rappelle bien. On va se promener un petit peu à Walmart Quête. Jolie, jolie musico, amico. C'est pas là-dedans, ça c'est sûr. Attends, oui, peut-être que... Je peux pas aller là-dedans. Cloud-sama. Jōrenkayo. Soda, Cloud-sama. Yoroshikereba, yore no stage ni go hitsuren wo kotoaru. Brother, attends. Cloud-sama nara, itsu demo kangei itashimasu. Oh my god! Ah, mauvais souvenir pour El Claudio, hein? Ok, voilà! Oui, oui, plusieurs d'entre vous m'ont dit que c'était ici. Nandai? Kono kyoku ga kini naru no kai? Hoshii nara motte ikina yo. Oh! Yo, pourquoi les gens sont aussi gentils que ça ici? Et j'ai même pas dit arigato, comme what the hell? Yo, le respect, Cloud, voyons donc. Bon, j'ai tous les disques que j'ai besoin. Maintenant, il faut que j'aille voir Madame M qui se retrouve là, si je me rappelle bien. Mais attendez, il y a un petit truc à aller voir ici. Je me rappelle, à un moment donné, lorsque je suis arrivé à Walmart Market pour la première fois, je me promenais dans les ruelles comme ça. Et je trouvais des coffres à gauche, à droite, en bas, mais je pouvais pas les chercher parce qu'il y avait des paysans qui bloquaient la voie. C'est comme, c'était pas beau ça. Ah. Oh. Un bracelet de sorcier. Ah, ok. Ça, c'est pour Iris. Ouais. J'ai pas de magicien avec moi. Mais quand je dis que j'ai pas de magicien avec moi, c'est plutôt que... J'ai personne qui s'occupe exclusivement de la magie, on va dire. Ouais, on est tous des bagarreurs ici. Bon, en tout cas, là, ce que je dois faire... Oh, vous savez quoi? Je suis pas allé là. On va se promener un peu. Peut-être qu'on va trouver des trucs intéressants. Il y a sûrement un coffre ici. Je peux le sentir. Oh! Mais voilà pourquoi il faut se promener, les potos! Hey, hey, bro, yo, ok, voilà. Protection, ah, ok, c'est pas si pire que ça. Non, mais c'est qui jette ses bouboules comme ça? Je crois que c'est un enfant qui a cru que c'était une bille, puis il l'a jeté juste pour le plaisir. Sa maman doit le chicaner bientôt, hein. Parce que sa maman, non, quand il va découvrir qu'il n'y a plus de matériel dans son armoire, c'est fini, brother!
C'est pas ouvert. What? Ok, j'ai vu un cœur. Je crois que je sais c'est quoi ce genre d'établissement, hein. Oh, ici! Ok, ok, attendez. Si? Ah, je peux pas y aller? Yo, ton resto est pas ouvert? J'ai envie de manger de la soupe tonkinoise, bro! Des... Non! Bon, ce sera pas une autre fois. Skype, pas si grave que ça. Ici. Oh, attendez. Il y a une vendeuse ici, hein? Ah ouais, ici, ici, ici. Lâchez! Ksuriyadaga, item mo atskatteru yo. Ok, c'est bon. Donc, objet? Non, j'ai besoin de rien. J'ai besoin d'un vendeur de matériel. Quand je vais le voir là, je vais rendre visite. Là, c'est pas lui. Ah, il est là, boutique de matériel. Alright, mais attendez. Il y a une petite ruelle ici. C'est vrai, oui, 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 oui. Si je me rappelle bien, il y a un trésor à aller chercher ici. Mais un trésor plutôt. Ah oui, je m'en rappelle, brother. Elixir. Je vais vous dire quelque chose qui n'est pas du tout ce que je pensais. Il y a un autre coffre encore. Je suis vraiment désolé de me promener à gauche, à droite, en bas, juste pour aller chercher les coffres, mais c'est super important, hein? Ben pour moi, c'est super important en tout cas. Ici, il y a un coffre, je m'en rappelle. Non, c'était pas ici? Ah, ok, oui, oui, l'endroit où je suis allé tout à l'heure, c'est l'endroit où il y avait un homme qui vomissait. Ouais, je m'en rappelle, je m'en rappelle. Bah. Médaille bug. Bon, écoutez, je vais pas me plaindre. Hein? C'est des trucs gâteaux par-ci par-là. Moi, je les prends. Hello! Yo, on dirait que Barrett a faim. Vous avez vu comment il touche son ventre? C'est comme... J'ai un petit creux! Mais plutôt un gros cœur, un méga creux. Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, on y va. Là! Voilà. Le truc, c'est que... Cela fait une éternité que je voulais acheter le matériel. Et je le trouvais jamais. En gros, c'est un matériel vent. What the hell? Mais personne veut me vendre la matériel vent! J'ai fou de glace feu, mais pas vent! Oh, wow, ok. Je vois que la matériel vent est très très rare, oui. Ok, Madame M, il est en haut. Ben, oh non, en haut. Oh, yo, Cloud. Plate no ue ni iku hoho o shiranai ka? Ima wa doko mo genkai taisei sa. Nezumi ippiki toure ya shinai yo. Wall market de mo, Corneo no teshita domo ga. Avalanche gari toka itte sawagi dashite ne. Hmm? Migi ude ga juu no otoko. Hmm? Nan da yo? Avalanche no hitori ga sou iu otoko rashiku tte ne. Corneo no teshita domo ga sagashi mawatteru no sa. Avalanche ni wa ima, Shinra no kenshou kin ga kakatteru kara ne. Kozukai kasegi demo suru tsumori nan daro? Yaru koto wa hoka ni ikura demo aru daro ga. 右腕が銃の男を5番街で見たっていう情報があってね。花がいっぱい咲いている家に出入りしていたらしい。ええ。な。ダメ。それはダメ。戻るぞ。 Ah, c'est pour ça qu'il faut retourner chez Aries, d'accord. Donc, allons au nord et on va prendre un Chocobo Expresso Amico. Wow! Donc, c'est ici qu'il faut aller, voilà. Bon, maintenant je peux redonner toutes les quêtes que j'ai, je pense. Non, je peux pas redonner toutes les quêtes, mais en tout cas, je peux compléter tout ce que j'ai besoin à faire ici. Et ensuite, on peut passer à la quête principale, ça va être magnifico. Ah ouais, en passant, pour ceux qui se demandent pourquoi je veux une matériel avant, le truc c'est que j'ai maximisé le potentiel de la matériel avant que j'avais avec moi. Mais que j'ai avec moi, que j'avais. Comme si je l'ai jeté, voyons donc. Et en gros, je veux améliorer une autre matériel avant, en cas où que je me bats contre un boss dont sa faiblesse est le vent. Vous voyez, comme si j'ai trois personnages avec la matériel méga vent. C'est fini pour ce boss-là, vous voyez ce que je veux dire? Ok, c'est bon.
là-bas. Il faut aller chez Aries. Non, toi t'as rien pour moi. Peut-être. Je crois pas que. Je crois pas que tu l'as, toi, hein. Non. Ouais, personne vend la matéria avant. Je sais pas pourquoi. En passant, pour ceux qui se demandent pourquoi je ne suis pas allé compléter la quête avec mes disques de musique, c'est parce que je sais que je vais revenir là-bas. Cloud, c'est bien. À moins que... Peut-être j'aurais dû compléter la quête, hein. おい、あいつの右腕。俺を探してんだってな。望み通り来てやったぜ。まあ、あの時の。やっぱりてめえもアバランチだったんだな。どうだろう。かの。なめてんじゃねえぞ。おい、あいつを出せ。お、お。へ。コルネオさんの秘蔵っ子よ。お前ら全員 Non! Mais c'est le bonhomme qui peut nous one shot! Je vais toujours me rappeler de ce mec là, man! Non! C'est ma tête! Attendez, hold up! Oh, ça fait peur! Je crois que je vais prendre Tifa. Elle a beaucoup de rapidement, man. Attends, est-ce que je peux bloquer ce... Oui, Tifa! Attaque! Attaque, Tifa! Go! Tifa! Vas-y! Ok, attendez. La El Barreto, donnez-moi une seconde. Comment ces petits goons ont réussi à avoir ce monstre de la mort? J'arrive pas à croire. En passant, pas besoin de se guérir. Bah! Oh, oh, hey, il veut ma peau! Yo, mais arrête! Ok, blood! Voilà. Bah! Ok, compétence assimilée. Si seulement. Si seulement j'avais. Comment ça s'appelle? Attends, Tifa. On va utiliser V sur Cloud. Un canon où ce que je pouvais attaquer de loin là. Oh my god. J'ai peur d'utiliser le canon pilote pour être honnête avec vous là, mais bon. C'est tellement fort. Faites attention les amis. Non, il a utilisé stop. Non. Oh. Barret, t'as vu la mort venir de loin, man. Il est dead. Non. Je m'en fous, tout le monde doit rester vivant. Bonne question. もう懲りたよ。あんたたちのことは誰にも言わねえから。見逃してくれ。五番街で見たのは人違いだった。この話を広めろ。死ぬ気でやるんだな。もしまた怪しい奴がいたら。すりつぶすよ。 Yo, j'ai même pas pu utiliser analyse avec Cloud. Je voulais le faire. Oh man. Ok, c'est bon, on va redonner la quête au médecin. Non mais, le truc c'est que je voulais utiliser analyse. J'ai pas pu le faire. Oh, j'espère que j'aurai une autre chance une autre fois. Oh, 薬の材料が揃ったか。ありがとよ。十分だ。さすがはエアリスが頼る男だな。さあ、あとは俺の仕事だ。
あんたらの頑張りは無駄にしない。そうだ。これよかったら使ってくれ。Oh wow, 10 pierres pour Aelys. Ah, oh, ça c'est super nice. Bon, en tout cas, il me reste quoi comme quête secondaire? Ça c'est réussi. Oh, j'aurais dû faire le truc de la musique. Aïe, c'est que je suis stupide. Moi qui croyais que je devais retourner voir Madame M dans le futur, lorsque je complète la quête que je viens tout juste de faire avec Monsieur Tom Berry. On dirait que non, hein. Mais bon. Yo, dis-moi, bro, est-ce que t'as quelque chose pour moi? Non. Peut-être t'as une nouvelle arme pour moi, hein? Ah, il vend pas d'armes. Ok, c'est bon. Alright, c'est bon. Donc, je dois revenir au... Ah ben oui! Pour que compléter la quête principale, il faut que je retourne au secteur... Au secteur 5? 皆さんのおかげで3は揃いました。本当にありがとうございます。これで営業を。C'est pas du tout ce que je voulais là, mais bon. Je voulais dire Wall Market. Ouais, voilà. À moins que je me trompe. Je sais pas, j'ai pas complété la quête avec Don Corneo. Ben, les trésors de Don Corneo, parce qu'il faut que j'aille. Il faut vraiment que j'aille dans les égouts. Alors. Mais il me semble qu'il faut que je continue là. L'histoire pour pouvoir aller aux égouts. Bon, on verra, mais c'est correct. Parfois on fait des erreurs, parfois on fait pas d'erreurs, c'est tout à fait normal. Oh, l'erreur fait partie de la vie humaine. Est-ce que ça prend 10 ans? Ah, ok, voilà. Si je veux faire de quoi, ça va se faire ici. What up? Ah, good night until tomorrow. Ah, この曲なんか落ち着くね。あの、私も近くで聞いていい？この曲。昔好きだったの。もちろん。Aucun problème. Le seul problème, c'est que j'ai changé de musique. この曲知ってる。マリンと踊ってた。ナットラン。全くナットラン。この曲こそ我が青春の調べ。わしが手本を見せてやろう。見よ。この腰すごいよし、お嬢ちゃんに伝授してやろう。みんなで音楽を聴くの楽しいね。ディスク、ありがとう。うん、私たちも元気になった。じゃんじゃじゃじゃじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃじゃん。いつか勝利のファンファーレが鳴り響く日が来るまで、俺たちの戦いは続く。なんてな。10 pierres pour El Barreto? Oh, c'est quoi que j'aurais 10 pierres pour Cloud, honnêtement? Un jour, tranquillo, relaxo, là, mais bon. Là, le truc, c'est que. Ah oh, ouais, c'est vrai, ça c'est le restaurant chinois où on me laisse pas passer. Hey! Croyez qu'il y a des armes là-bas? Attendez, on va voir ça vite fait, bien fait. C'est juste à côté, alors. Ça pourrait nous aider parce que si on a plus d'armes, c'est beaucoup mieux, non? Comme on pourra avoir des compétences secrètes et tout, là, ça va être super nice. Mais secrète. Si? Pourquoi je sens une arme? Ah! J'ai laissé ta paix! Oh, une chance que je suis passé par là! Regardez, bracelet de sorcier!
Ouais, ça fait augmenter la magie, il y a 3 slots là-dedans là et tout là, mais bon, en tout cas, j'ai juste vous dire que c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Donc ceci, ça de Mithril, une immense épée forgée avec le minerai magique qu'est le Mithril. Donc, quelle est la compétence? Lance une onde magique non élémentaire et tranchante droit sur les ennemis situés devant soi. Oh! 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 Ah, ça ressemble beaucoup à l'attaque... comment on appelle ça? J'ai oublié ce qu'on a en attaque là, mais l'attaque signature de Cloud là, oui. Ah, let's go! Donnez-moi une seconde! Donc, El Cloudo, je suis désolé, mais l'épée brute, on va devoir se débarrasser de ça. Pour prendre une nouvelle arme. Oh, donc, ici j'ai quoi? Plein d'attaques physiques et magiques. Ici, j'ai dégâts additionnels de la matière affinité élémentaire plus 10%. Oh! Ça pourrait être beau, ça! Attendez. Ici, voilà. Augmente les dégâts élémentaires additionnels figés grâce à la matière associée. Yo, je l'ai, moi! Il y avait quoi d'autre? Résistance aux altérations? Non. De l'enracer... Rassérénante. Restaure des PM lorsqu'un personnage subit d'importants dégâts. Non. Dégâts des sorts plus 20%. Non. Attaque physique, plus 5%, PV élevé. Ouais, ça, je vais le prendre. Je crois que c'est ça. Ici, ensuite, je vais prendre tout ce qui est attaque physique et attaque magique. Ça, c'est une épée qui permet d'augmenter la magie, ça se voit, là. Défense magique. PM max. Je crois que je vais prendre ça. Voilà. Et ici... Yo! Honnêtement, je crois que je vais prendre ça. Ben, on sait jamais, ça pourrait nous aider. Bon, en tout cas, si je fais une petite comparaison avec l'épée brute, donnez-moi une seconde. Ici, regardez, épée brute. Pap! Ouais, beaucoup plus d'attaque magique, mais beaucoup moins d'attaque physique! Oh, je vais juste aller maîtriser cette attaque et ensuite je vais reprendre l'épée brute, hein, n'est-ce pas? C'est vrai, c'est une très bonne chose. Et en même temps, ce que je vais faire, c'est mettre une matériel random là, juste pour plaisir. On va mettre quoi, je sais pas, absorption de PV. Ouais, ça sert à rien parce que je l'ai associé à rien du tout, mais c'est juste pour le plaisir. Et bracelet de sorcier, Non. C'est correct. Si je me bats contre un boss qui utilise beaucoup la magie, c'est une autre histoire. Parce que ça donne beaucoup de défense magique, mais pour l'instant, on a oublié ça. Ok. Bon. Alors là, j'ai un trésor de Cornéo à aller chercher, mais. Ici. Oh, collecte d'informations. Comment je vais là? Hey, je suis jamais allé là. Oh, attendez une seconde. Comment je vais? Ah, c'est ce chemin-là que je voulais prendre. Donnez-moi une seconde. Ah! J'ai jamais su que je pouvais aller là! Croyez-vous qu'il y a de quoi d'intéressant? Yo! Give me that music, bro! この曲を聴くと仕事の疲れが取れんだよ。あんたも疲れた顔してんな。これ聴くといいぞ。Oh, tu gardes des disques de ce genre partout avec toi? Toujours à chaque fois que tu te promènes, t'as toujours des disques supplémentaires? Brother! Ok, y a une gare chocobo ici. Là, attendez, est-ce que je peux continuer à aller? Ah ben oui, je peux continuer à me promener là. Hein. Là-dedans. Bon, je peux pas y aller, évidemment. Je suis juste venu ici parce que j'ai vu une gare, mais... Avalanche! Oh! Oh! Oh, mais c'est un message pour moi? Pourquoi y a personne ici? Ok, d'accord, c'est bon! Yo, j'avoue que tout ce qu'on a fait depuis le début, c'est se promener à gauche, à droite. Mais vous avez vu le nombre de trucs qu'on a pogné juste en se promenant? Une chance qu'on s'est promené, man! Mais bon, je vais aller dans le manoir de Miss Cornéo. Mr. Cornéo. Si je l'appelle Miss Cornéo, ça va mal, y a un problème, man. Mais bon. Parce que c'est ça l'endroit où je peux aller et que je n'ai pas exploré encore. Attendez, est-ce qu'il y a d'autres trucs?
Non, je suis déjà allé dans les autres endroits, ok. Let's go! What up? Voici, on regarde le radar en haut à droite là. On dirait vraiment qu'il faut venir ici pour compléter la quête principale, hein? Ouais, on l'a remarqué, man. Il y avait quoi à faire ici? Rien du tout. On va là. Oh, c'est vrai, il y a des endroits que je n'ai pas explorés auparavant. Peut-être que maintenant, je peux trouver de quoi d'intéressant. Ouais. Ouais, j'ai tellement trouvé des trucs que je suis super content, man. Bon, si on allait là. Oh, ok, ouais, je me rappelle de cet endroit, mais peut-être il y a des secrets que je n'ai pas pris. Vous vous rappelez? Oh, la porte! La porte secrète est ouverte. Ok, attendez. Oh! Yo, yo, j'essaie de descendre. Ok. Chut. Attendez, ça nous mène où? Oh! Oui, oh, attendez. Avant d'aller là, je crois que je ferais mieux d'aller vers la chambre de Cornéo. Ouais, parce que ça, c'est l'endroit qui nous mène vers les égouts, en fait. Oh, ben oui! C'est là où est-ce que je peux compléter la quête de Cornéo. Ben, où est-ce que... お前たちか。何の用だ。私たちプレートの上行く方法を探してて、コルネオなら何か知ってるかもって。なるほどね。それなら俺も知っている。本当か？教えてくれ。 こっちに来い。話だけは聞こう。なんだこの穴。この先に用がある。 あんたたちが手伝ってくれるなら上に行く方法を教えてもいい。この先って下水道だよね。何しに行くの？コルネオの隠れ家がある。そこまで行きたい。俺たちをはめるつもりじゃねえだろうな。そう思うならそれでいい。俺は別の助っ人を探す。お前たちも他の方法を探すんだな。 分かった。手を貸そう。いいのか？裏切れば切る。それで構わない。信じるよ。詳しくは地下に降りてからだ。準備ができたら声をかけてくれ。 Ah, c'est ça! Donc, ouais, c'est ça que quelqu'un m'a écrit dans les commentaires. Si je veux compléter la quête, les trésors de Cornéo, il faut que j'avance dans l'histoire avec le mec qu'on vient de voir. Parce que là, c'est la seule quête secondaire qui me reste à compléter. En plus, c'est lui qui va nous permettre de faire de quoi d'intéressant. C'est-à-dire de continuer la quête principale. Mais bon, en tout cas, là, c'est ça à 100%. Et, oh, y a-t-il de quoi d'intéressant ici? Oh! Ok, ouais, je me rappelle de cet endroit. Bon, en tout cas, vous vous rappelez, il y avait un coffre à aller chercher. On va aller le prendre. Moi qui croyais que c'était le bon chemin. Mais bon, c'était pas du tout le bon chemin. Et moi, je veux aller dans les mauvais chemins pour prendre tous les trésors que je peux. Voilà, j'aurais dû juste continuer le chemin. Pourquoi j'ai pas continué? C'est que je suis con, mec.
Ce sera un bon trésor. Un cristal mystérieux. What? Oi! Badin? What? Mais je peux pas y aller. Oh, il faut que je passe par la chambre de Cornéo. D'accord, d'accord. Je vais regarder à quoi sert l'objet après. Parce que là, je sens que je vais obtenir un autre objet encore. Alors, let's go! Faut juste aller là. Je suis vraiment désolé pour tous ces va-et-vient. Je suis vraiment désolé sur le fait que j'ai quasiment rien fait là. Mais dans un RPG, mieux vaut se promener. Pourquoi? Parce qu'on trouve des trésors à gauche à droite. Et c'est le fun. Ça pourrait nous servir dans le futur. Ouais, voilà, voilà! Là, je me demande ce qui est là-dedans, man. T'as ce que t'es créé? Oi! T'es où, bro? Ah, ouais, ouais! Je peux pas ouvrir la porte! Ah, oh, ok. T'as ce que t'es? Oi! Oh! T'es mec! T'es あなたは頼む助けてくれ助かった神羅の連中がどかどかやってきたと思ったら情報をリークしただの役立たずだの言われてこのざまさC'est tout? Tu me donnes pas de... Oh! 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 Ok, ok, ok! Matériel chakra. Oh my god, c'était juste pour ça. Je me suis tellement forcé juste pour ça, pour vrai. Donc, si on achète des objets ici... je veux pas enrichir. Enrichir, c'est stupide. Ici, y a pas d'armes. Ici... Y a rien d'intéressant en matéria. Y a pas du tout ce que je veux malheureusement. Alright, c'est bon, j'ai compris. Je crois qu'on a complété notre mission aujourd'hui. Ah non, c'est vrai, y a un dernier truc à vous montrer. Le truc c'est qu'on avait découvert, c'était quoi encore? Cristal mystérieux, je pense. Un mystérieux cristal qui renferme de l'ombre réduit la durée d'effet des altérations d'état infligées au personnage. C'est correct, mais c'est pas quelque chose de fameux. Alors mes chers photos, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Nous allons continuer notre aventure la prochaine fois. Alors je sens qu'on va faire quelque chose de super méga ultra intéressant. Ça va être le fun. Souhaitez ma bonne chance. Mais ce sera pour la prochaine fois, bien sûr. Donc si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez laisser un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel. Vous procurez l'un de ces t-shirts de fou grâce au site qui se trouve juste en bas de l'écran. Vous pouvez me suivre sur ces réseaux sociaux aussi. Papa, thank you very much for the support, amigo. Et surtout, vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye bye.